De ce semi-marathon, comment se sent-on? Franchement, jusqu'ici, ça va. En plus, je me tiens à mon objectif qui était de courir à 5 minutes 20 au kilomètre. Je suis plutôt en dessous même. Sauf que ça fait un kilomètre que je sens que je puise dans mes ressources et que ça commence à être un petit peu dur. Mais bon, c'est le but, c'est le jeu. Il reste moins de 6 kilomètres, faut tenir. Je vais m'arrêter là et te rattraper parce que je suis en très mauvaise posture. Stop! À combien qu'on est? On est à 20 km 66. Ah oui! Et franchement, là, je suis au bout. Il est au bout. Ouais. Je pense qu'on aurait vraiment dû prévoir à manger. Parce que clairement, ce qui me manque là, c'est l'énergie de bouffe. Parce que les muscles, ça va, le cardio, ça va. Genre la tête, c'est bon. Boire, on a bien bu. Par contre, je sens que mon corps, il est tout plein de fourmis, tout bizarre. Et ça, c'est la bouffe. La prochaine fois, on prévoira des petites rations ouais, énergétiques. Des petites barres et tout. Il reste 400 mètres. Faut tenir quoi. C'est jusqu'à là-bas, la côte. Allez, on tient, on tient. Attends, j'essaie de faire la biche. Ah oui, on a une biche. Pour la fin, parce que généralement, à la fin, je cours. Comme ça, mais. Vu que ça filme, j'essaie de faire la biche. Il y a deux minutes, je lui disais de transformer le buffle en biche parce qu'il respirait comme ça. Et je pense que ça doit être plus fatigant qu'autre chose. Du coup, là, il court comme une gazelle, respire tel un marathonien chevronné. Tout va bien. Il commence à faire nuit en plus. Sérieusement nuit. Aïe. Faut que je marche. Faut qu'il marche. Oh. Là, je suis dégommé. Là, ça filme. Et ça filme. Bah, dis donc. Objectif, semi-marathon, c'est bon. Quick, quick. Mais c'était dur. En vrai, 10 premiers kilomètres, hyper facile. Même jusqu'à 15, franchement, très facile. Après, ça commençait un peu à être compliqué. Mais les deux derniers, c'était hyper dur parce que je sentais que c'était mon corps qui avait plus d'énergie. Tout était bien. Les muscles, ça a défilé dans la tête, nickel. On avait de l'eau et tout. Mais il me manquait à bouffer, quoi. J'étais vraiment en mode des petits fourmis au bout des mains. Le corps, tout. Bah, tu sais, quand t'as, en gros, un début d'hypoglycémie, quoi. Donc la prochaine fois, eh ben, je prévois à manger. Et après, là, je suis hyper content parce que je voulais courir à allure 5,20 au kilomètre, en moyenne. Et je crois que je suis en dessous ça. Donc ça veut dire que pour le marathon, normalement, l'allure que je l'ai choisi sera pas mal et sera en toute logique si je prévois bien à manger et tout ça sera même moins compliqué que ce que je viens de faire là parce que là les deux derniers kilomètres c'était chaud. Bon, je parle beaucoup, je vais m'économiser, je vais arrêter de parler, je vais me reposer un peu. Mais y a pas que moi qui a mal hein. J'ai mal aux fesses, c'est horrible. Par contre il faut que je marche. Tiens, je te laisse parler si tu veux. Tiens, bois. Il faut que je marche parce que quand je m'arrête il y a tout qui tourne. J'ai trop mal aux fesses. C'est même pas spécialement les jambes, je pense que c'est juste ma selle pendant une heure, je sais pas combien là. Ça fait mal. Tu veux prendre mon vélo ou pas? Peut-être tu préfères rouler que marcher? Ouais, je vais marcher. Petit échange, Louis vélo, moi, petit peton. Ça fera pas de mal, je veux plus. Putain, je suis défoncé. On a réussi. Yes. I don't know they see me. Spend my whole life running from your flashing light. Sell our soul to be popular. Non, ça va pas du tout. Kill anyone to be popular. She prays to the sky. En plus de sa voix, parce que je comprends rien ce qu'il fait. Every night, she prays to the sky. Every night. Mais non. Every night. Je viens de le faire, bordel. Every night. Ça, oui, je sais pas. Every night. She breaks to the sky. Ok. Qu'est-ce qui manque? Turn a webcam on for the follower. The. Followers. La partie chelou. I'm getting cash and keeping it. Money on top of me. Money on top of her. Oh, quel bordel. I'm getting money and I'm keeping it. I'm getting cash, I'm keeping it. Money on top of me, money on top of who? Fatty fuck with me, money on top of who? Fatty money on top of me, money on top of who? Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Ok. On va y arriver. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. On va rajouter quelques voix pas chantées pour rajouter un peu de grain sur la partie money on top of me, money on top of who?
parce que c'est grave et il n'y a pas trop de mélo, du coup je vais essayer de rajouter un truc vraiment en fond. On verra ce que ça donne, aucune idée. Ça y est, j'ai fini d'enregistrer Popular, donc je vais arrêter pour ce soir et je vais profiter plutôt de demain matin en me réveillant quand j'ai plus de voix du tout et que je peux strictement rien faire d'autre pour choisir vraiment les meilleures parties de mon chant et faire l'édit des voix pour garder les parties enregistrement quand ma voix est réveillée, donc l'après-midi ou le soir, comme maintenant. Et pendant ce temps-là, Louis a cherché des mélodies sur la chanson de Genervt, Ponyrama, et c'est trop bien, je suis trop fan de ce qu'il a trouvé. Maintenant, il va falloir que je trouve un yaourt dessus pour pouvoir lui envoyer. Et après, s'il aime bien, on enverra à Kiran pour les paroles, comme toujours. Je pense que c'est à peu près tout. Popular, c'était cool à chanter en vrai, énormément d'adlib, des yeah, des un, des un, des plein de trucs. Du coup, c'est fait, on est content, j'espère, on verra. Un petit extrait de ce que j'ai trouvé sur la compo de Genervt, c'est complètement enregistré à l'arrache parce que c'est juste pour poser les idées. Lorraine vient de finir le nouveau visuel. Il est beau. Nouveau single disponible le 8 décembre. Nouveau Skyblog tous les dimanches, YouTube. Boum. Je verrai que les voix... D'ailleurs, comment elle s'appelle? Est-ce que Kiran, tu as donné un nom à cette chanson? True Love. Je verrai que les voix de True Love, la chanson dont on avait trouvé la top line la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines, et Kiran avait fait un texte dessus. J'ai une méga barre ici, j'ai les sinus bouchés, donc je vais essayer de faire le plus possible, mais ça m'étonnerait que je fasse tout en un coup. On va bosser un peu le texte du couplet quand même avant. Hop. Je vais mettre ma démo en dessous, parce que je me souviens plus exactement de ce que je faisais. Hop. Saleté. Tu dois rester là, toi. You used to make me smile. C'est pas encore ça. We love to wake by your side. De votre côté, vous avez déjà un peu préparé tout le contenu à sortir sur les réseaux TikTok, Meta. Il y a une partie qu'on a commencé, c'est-à-dire tout ce qui est teaser, couverture, tout ça. Par contre, tout ce qui est contenu, qui sera sorti justement tous les TikTok et tout, ça on n'a pas encore fait. Parce que je pense qu'il y a une partie aussi qui va se faire pendant le tournage du clip. Lorraine gère bien tout ce qui est visuel pour les réseaux sociaux, tout ce qui est bannière, tout ce qui est pochette, pour promouvoir les singles et tout. De votre côté, vous aviez déjà en tête l'une des plateformes où vous auriez vraiment préféré faire de la promo. Il y a un coup à jouer sur TikTok peut-être. Surtout que c'est un peu le réseau du moment. Carrément. Moi, je peux vous proposer, c'est déjà vous montrer les possibilités plateforme par plateforme. Ok, ça devrait aller. Déjà, c'est trop fort. Nope. Ok, c'était la chauffe. Cloud your eyes. Il y a des colonies qui t'ont attaqué? Non, pas aujourd'hui. Personne t'a attaqué? Non. T'as mis une bulle? Bah non, j'ai pas mis de bulle, il n'y a pas de guerre en ce moment. Et les ressources sont bonnes? Les ressources sont bonnes. C'est bien. Aujourd'hui, j'ai enregistré un petit peu de la chanson de Vaud. Oui. Et je finirai demain, en début de journée, en me levant, je pense, si la voix est réveillée, parce que c'est super aigu. Moi, j'ai fait du repérage de ce qu'on avait besoin pour le tournage de Il pleut. T'as regardé les Barnum? J'ai commandé un Barnum, parce que je me dis que dans le pire des cas, ça servira toujours. Soit à nous, soit à des amis. Soit pour d'autres clips. Et on a été courir. On a été voir Hunger Games au cinéma. Il est bien, d'ailleurs. Ouais, il est vachement bien. Jusqu'à la fin, c'est tout, 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 tout. Et on a été faire des courses alors qu'on avait faim. Du coup, on a acheté du brownie. On va jouer à Resident Evil 4. C'est parti. C'est parti. Resident Evil 4. Derrière cette porte, il y a un... Oh merde, j'aurais pas dû y aller. Ça pue. Mais non. Je fais quoi? Tu le tues. Je me souviens plus, ça fait trop longtemps. Je sais plus comment on le tue. Et je me casse. Oh, ça c'était... J'ai bien vu. Il va tomber. C'est maintenant. Regarde. Direction l'église. Direction l'église. Du coup, est-ce que j'ai bien chanté ce matin? T'as très bien chanté ce matin. Ouais, tu montres un extrait?
side and drive to you for miles and miles. You call me true love. My heart is breaking. T'as mangé du brownie? Il pleut. J'ai pas mangé de brownie. Il est bon pourtant. Bah j'en ai mangé hier. J'ai pas mangé ce matin. Ce matin j'ai bu du jus. J'ai fini tous les édits des voix de Popular, j'ai mis tous les effets et du coup maintenant je vais faire écouter à Loulou qui n'a rien entendu du tout. Si, j'ai vu sur le vlog. T'as vu l'enregistrement un peu. T'as vu en faisant le montage. T'es prêt à écouter? Vas-y. C'est parti. C'est pas mixé hein. Enfin un peu mais tu vois. Ça c'est les adlibs. Ça. C'est très stylé. Bah c'est bien stylé. C'est très stylé, bravo. Je me suis amusée à refaire tous les Z-lib. Un. Ça c'est faire une banque de sons avec des et des yep et des trucs. On dirait une banque. Ouais. C'est rigolo. Yep le celui-là. Sacré bordel. Je suis contente du résultat. C'est très bien. Donc c'est bien. On est content. J'ai exporté tous les fichiers, du coup maintenant je vais pouvoir envoyer tout ça à Youssouf. Par contre, je vais changer le nom du dossier parce que il semblerait qu'après une certaine heure ou un certain niveau de fatigue, le respect soit mort. Popupal. J'ai officiellement fini de remplir ma part du calendrier de l'Avent. Je suis contente! Il y a des trucs chouettes dedans. On est quel jour? Samedi. Non mais il est combien? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dans 13 jours, c'est toi qui ouvre le premier. Ouais, ça va être bien. Il m'en reste deux à trouver. La couleur est la plus dégueu qui soit. Et cet après-midi, je vais faire du vlog. Cet après-midi, je vais envoyer les voix à Youssouf. Ah. Parce que j'avais tout bien exporté hier, mais pas au bon BPM. Du coup, il faut que je réexporte. Parce que j'avais enregistré un peu plus lent, comme je disais l'autre jour. Je préfère faire un peu plus lent pour être plus précise. Et puis après, je remets en accéléré, ça s'entend pas en plus. Et après, je vais faire le vlog. Monter les dernières images qu'on a filmées parce que ça sort demain quand même et que je sais pas du tout où on en est cette semaine. Les retours sur le morceau qu'on a sorti la semaine dernière, Time to Love sur Nitoona, sont vraiment très très cool. On a eu plein de commentaires stylés sur le petit acoustique qu'on a sorti. On a eu plein de vues, plein d'écoutes, donc trop cool. Et sur Spotify, on a eu à peu près 60 000 écoutes en une semaine. C'est un départ trop trop cool. Bon, c'est la première fois qu'on a ça sur un original, sur la première semaine, donc très très cool. Yeah. C'est parti pour une petite vidéo de présentation de Time to Love qu'on a sorti avec Eden Ice. On fait une vidéo pour montrer un peu les étapes de création, tout ça. Today I will tell you how we created Time to Love with Eden Ice. On a appris il y a quelques temps que notre titre Calabria était platine en Pologne. Du coup maintenant il est platine France, platine en Pologne et 7 fois disque d'or dans d'autres pays. Je les ai plus en tête mais c'est un truc de fou. Le label Strange Fruits avec qui on a sorti le morceau va faire en fait un disque qui combinera les certifications, donc les 2 platines et les 7 or. En gros, ça, on l'a préparé pour ça. On attend, mais il sera affiché là. Et autre information trop cool, les artistes avec qui on a fait ce morceau, donc DMNDS, ils nous ont contactés là pour refaire un autre titre. Ça risque d'être aussi un gros gros banger de la mort.